Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et vous l'entendez sûrement à ma voix. Je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave, on va quand même faire un petit peu de magie aujourd'hui. Et aujourd'hui, tour de magie expliqué réservé aux membres premium. Alors, comme c'est la première vidéo depuis la mise en place du pass, je vais un peu vous expliquer comment avoir accès justement à ces vidéos parce que certains ne savent pas, hein, ils sont un peu perdus avec tout ça. Donc, il y a deux solutions. Soit la solution comme d'habitude, et bien vous allez dans la description et si vous êtes membre de la chaîne en ayant souscrit sur YouTube, vous avez le lien, vous cliquez, ça vous envoie vers une vidéo et vous avez accès à la vidéo. Soit tous ceux qui ont souscrit au pass directement sur mon site tutomagie.com, donc qui ont acheté le pass premium pour avoir accès à la vidéo explicative, c'est toujours dans la description. Vous allez dans la description de cette vidéo et je vous ai mis justement accès pass premium. Et là, je vous ai noté tout simplement la difficulté du tour. Donc, vous avez la difficulté et le nom du tour. Et vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer directement sur mon site internet tutomagie.com dans la partie tutomagie premium. Et là, vous avez tous les tours premium de la chaîne, donc les anciens et les futurs qui seront ajoutés. Et en fait, il faudra juste retrouver le tour d'aujourd'hui. Donc pour vous aider, je vous aurais mis le titre du tour ainsi que la difficulté. Pour au moins ça trie, c'est plus facile pour le retrouver. Et du coup, directement là-dessus, vous avez accès à la vidéo en cliquant dessus si vous avez acheté, bien entendu, le pass. Donc voilà, c'est très simple. Soit vous avez souscrit à la chaîne et comme d'habitude, dans la description, vous cliquez, ça vous renvoie vers la vidéo directement sur YouTube. Soit vous avez le pass premium et là, ça se passe directement sur mon site internet, sur totemagie.com. Je vous ai mis le lien, le titre et la difficulté du tour pour que ça soit plus simple pour vous pour le retrouver. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, un tour automatique. C'est pas mal aussi les tours automatiques et celui-là est plutôt cool. La présentation est vraiment sympa. Je vous laisse avec la démonstration. Pour les explications, hein, comme d'habitude, c'est dans la description. Et pour les autres, ce sera pour le plaisir des yeux. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, TikTok, l'école de magie, etc. Bref, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour qui va se faire avec un jeu de cartes complet. J'ai sur le dessus les deux jokers qu'on va avoir besoin. Et je vous propose de faire tout simplement quelque chose d'un peu d'original avec ce jeu. C'est de créer tout simplement un triangle à quatre côtés. Alors vous allez me dire, un triangle à quatre côtés, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une figure géométrique qui n'existe pas et qu'on va essayer de créer ensemble. Vous allez voir comment. Les deux jokers, en fait, juste ici, qu'on va placer devant les deux spectateurs. Alors ces deux spectateurs... normalement je devrais en avoir deux mais j'en ai pas. Je vais faire le rôle des spectateurs et du magicien, mais croyez-moi, je suis honnête dans ma démo. Donc on va mettre les deux jokers juste comme ceci. Et je vais demander à chacun des deux spectateurs de choisir un chiffre entre 1 et 20, vraiment celui de son choix, et c'est le spectateur qui va faire ça. Je vais lui tendre le jeu. Imaginons que le premier choisisse, je sais pas moi, 11, peu importe, hein, n'importe quoi. Moi je me retourne à ce moment-là. Le spectateur, ça, il ne le dit pas, hein, le chiffre c'est dans sa tête. Il va distribuer autant de cartes que son nombre secret. Donc ici 11, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il place la carte par-dessus, comme ceci, et il referme, et il donne ça au deuxième spectateur qui va faire de même. Imaginons le deuxième choisisse, je sais pas moi, 9, peu importe, hein, vraiment entre 1 et 20, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de forçage. Il prend le jeu, il fait pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il pose, et il met comme ceci, et moi à ce moment-là, je me retourne, donc je n'ai accès absolument rien, j'ai aucun indice, je me retourne, je prends le jeu ici. Et ce que je vais faire, c'est juste j'étale pour vérifier que forcément, on a bien deux jokers face en l'air. Et du coup, les jokers sont à côté de deux cartes que seul le nombre choisi par nos spectateurs puisse donner aléatoirement, hein, vraiment. Donc, comme ceci. Et là, ce qu'on va leur demander vraiment, honnêtement, c'est que on va prendre le jeu face en l'air. Et je vais demander pour la première fois aux deux spectateurs de nommer les nombres qu'ils ont choisis. Et la somme des deux, on va distribuer le nombre de cartes face en l'air et ça donnera le premier côté du triangle. C'est peut-être un petit peu long, mais vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc là, le premier avait dit 11, le deuxième 9, ça fait 20. Regardez bien ce qu'on va faire. On prend le jeu et là, on distribue 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà, instantanément, on tombe sur une carte, c'est l'as, premier côté de notre triangle à quatre côtés. Vous voyez où je veux en venir, hein? Et oui, puisqu'il nous faut maintenant les deux autres qui seront le deuxième côté, le troisième côté, mais alors, nous manque bien maintenant les quatrième côtés. Et oui, puisque depuis le début dans le jeu, j'avais placé, sans rien vous dire, une carte. Ça serait fort que ça soit également le quatrième côté, et bien le carré d'as. Et là, pour le coup, tout peut être laissé à l'examen et c'est vraiment très sympa parce qu'il n'y a aucune manipulation et c'est le spectateur qui fait tous les choix.